Dans vos plus belles années, on parle des sauts qui vous ont marqué, et celui-là, il vous a tellement marqué que les draps s'en souviennent, c'était en 1975. Alors, Richard est là, le chanteur. Joël, malheureusement, a disparu. Et il y a une jeune fille formidable qui ne devait pas être née, d'ailleurs, à cette époque-là. Caroline et Richard de Witt. J'ai encore rêvé d'elle. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses « je t'aime ». Si je pouvais me réveiller à ses côtés, si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir. Pour ça, j'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. Alors, Patrick ? Alors, bluffé ? Vous avez été bluffé partout. On a été bluffé par la voix, par le physique de la jeune fille. Tu es superbe. Merci. Elle est belle, si vous saviez comme elle est belle. Elle est blonde, on peut la décrire. Je hein. pense qu'elle m'a été envoyée par mon ange là-haut. Par ton ange là-haut. Sincèrement. Et ton ange là-haut, ça fait combien qu'elle est partie, Joël ? C'est ce qu'on en disait. 1982, en mai 82. Donc, exactement. Ça fera bientôt 30 ans. Ça fait 28 et ans. Et à quel âge, petite princesse ? 28 ans. Et bien voilà. 28 ans. Et demi ? On dirait pas. Je pourrais être ton papa. Reste avec moi. Et là, Patrick la prend sous son épaule. Bah bien installez-vous. Alors, t'es un fiancé ? Oui. Comment tu vas ? Bienvenue dans l'école des femmes de Caroline. Comment ça va ? Ça va bien. Qu'est-ce que font ton papa et ta maman ? À la retraite. À la retraite. Ah ouais, là. Est-ce que tu as un fiancé ? Oui. Comment il s'appelle ? Daniel. Il s'appelle Daniel. Daniel, ta voiture gêne.
Pour présenter Caroline, il faut savoir quand même qu'elle danse et qu'elle chante, qu'elle a notamment participé à une comédie musicale pour enfants. Beaucoup, ouais. Parce que t'es gaulée, comme une princesse. C'est une danseuse au départ. Attends, t'as vu comment elle est gaulée ? C'est une danseuse, une artiste complète. Je parle pour elle, mais elle danse, elle chante, elle joue. T'as fait beaucoup de radio ? Non. Pas trop. Je vais juste te dire là maintenant, parce qu'on va ressortir ça sur RTL plus tard. Tu vas être une star un jour, toi. Oui, c'est évident. Je l'ai toujours dit. Hein. Si tu te prends pas la tronche, bien sûr, parce que si tu commences à l'avoir comme ça. En tout cas, pour les autres qui n'ont pas l'image, elle a une voix magnifique quand même. Elle a la voix, elle a le charisme, elle est gentille, elle est souriante. Et puis elle dégage de la générosité. Et dans ce métier, tu le sais bien. Eh bah oui, je le sais bien. Et c'est le plus important. On la découvrira bientôt dans les années bonheur, donc. Rendez-vous pris. Voilà. Je vous l'avais dit. On va t'émouvoir aussi, parce qu'on va réécouter en 75 Joël sur RTL. Ah, oui. À cette grande époque, vous étiez invité dans de nombreuses émissions et donc forcément ici. On a fait plein ensemble. RTL. Ah bon ? On a fait des galères ensemble. On a fait des 31 décembre. Patrick, je le connais depuis 35. C'est eux qui m'ont expliqué, qui m'ont fait la première fois le plan que je fais à tous mes potes maintenant. Raconte. C'est un truc vachement drôle à faire. C'est quoi ? C'est quand quelqu'un vient te raconter une blague, tout le monde se casse. Tu te casses. Et à chaque fois, quand j'arrivais, ils étaient tous ensemble, la bande là. Et genre, ils me disaient, Patrick, raconte-nous une blague. Alors je m'avançais, je commençais. Et au premier mot, ils se barraient tous en courant. C'est trop fort. C'est drôle. Ça, vous me l'avez fait un paquet de fois. Ah ouais, c'est bien. Alors, je vous propose de retrouver Joël, effectivement, en 1975, toujours dans le cadre de RTL Non-Stop. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez, Richard, cette fois-là, Joël était venu habillé d'une façon plutôt originale, ce qui n'avait pas manqué d'interpeller Philippe Bouvard. On va donc se retrouver en début d'émission avec Philippe, qui va donc vous présenter. Vous êtes dans ce même grand studio sur RTL. Vous avez une garde-robe assez recherchée. Hein. Il faut changer de temps en temps quand même, non ? Oui, quand c'est sale notamment. J'essaie de changer de personnalité tous les jours. Alors aujourd'hui, j'étais partie pour la pêche et puis on s'est retrouvée ici. Je crois que c'était pour les fraises, mais si c'est la pêche, c'est pas mal aussi. Enfin, on est propre. Mais oui, mais c'est d'ailleurs ce que je soulignais. C'est la propre musique qu'on fait. Oui. Je vais pas vérifier parce que je suis trop loin et que j'ai pas le temps, mais ça se voit à l'œil nu. Eh ouais, 75. Je me souviens, j'étais allé vous voir, vous, bien avant, complètement au début, vous passiez dans une... C'était l'époque des filles du mercredi. Ah, c'était comment ça en faisait 73, ça, ça. Les filles du mercredi sont toutes restées dans leur lit. Ah, ça ne rajeunit pas, dis donc. Ça ne rajeunit pas. Est-ce que tu as des nouvelles des autres ? Mais absolument, j'ai eu mon ami Serge Collen, il est dans le midi, il joue à la pétanque. Et il boit du pastis. Il boit des coups, c'est clair. Et voilà, il est content parce que les chansons, nos chansons qui sont dans des films. Mais oui, parce qu'il paraît, on m'a dit ça. J'ai pas vu Camping 2, il paraît que ça fait un carton. Camping 2, c'est Richard Anconina. De toute façon, ça fait des années que ça fait un carton. Elle mourra jamais, cette chanson. Voilà, c'est ça. Le coup de soleil, là, qui arrive. On a un de ces bols, alors, je te jure. Et alors, justement, dans le cadre d'un prochain film Potiche qui sortira en novembre prochain de François Ozon avec notamment Catherine Deneuve, Fabrice Luchini ou Gérard Depardieu, cette fois ce sera le succès de l'année suivante. Tu t'en souviens certainement, Patrick. Viens faire un tour sous la pluie. Viens faire un tour sous l'ampli. Oh oui. Et j'ai encore des bretzels aussi. Tu sais que je l'ai croisé souvent et il y a une chose qui n'en rien qu'un steak, tu connais. La parce que qu'est-ce qu'on s'est marré. Ah oui, on a bien rigolé. Ça, c'est quelque chose qui existait à l'époque. Maintenant, ça se marre moins. Hein. Et toi, comment tu as découvert Il était une fois, toi? Je pense que ça remonte à. Elle était toute monde. Moi, je l'ai connue très très jeune. Elle était dans une troupe de petites danseuses qui s'appelait les Chippies, à la limite. C'est ça, voilà. On dirait qu'elle a 18 ans. C'est incroyable, quoi. Une bande originale de film au piano. Allons-y, on est toujours en 1975.